Pierre Rennec, retour au Grand Conseil, heureux alors? C'est incertain. Pour le moment, on flirte, pour employer les termes du chancelier, avec le quorum. Ça dépend de la fin du dépouillement. Alors par contre, cette hypothèse-là, soyons optimistes, en effet, heureux. Heureux de, d'abord que le pourcentage significatif de la population quand même qu'on représente soit en effectivement présent au Grand Conseil. Heureux aussi de pouvoir être en prise directe avec les débats au Grand Conseil. Pas tant parce qu'on a des idées géniales à y apporter, mais parce qu'il faut que cette sensibilité soit représentée, il faut que le mouvement social qui est largement à construire et qui peut s'opposer à la dérive xénophobe. Comment allez-vous travailler avec les Verts qui ont accepté la baisse d'impôts? Écoutez, moi je crois que le problème n'est pas de se faire des mamours avec les Verts ou avec les socialistes, c'est d'avancer des positions politiques claires et des propositions. Il est tout à fait possible probablement de s'unir avec les Verts sur un certain nombre de questions, y compris du point de vue des Verts et des socialistes parfois. Il y a un aspect de la dérive, disons, à droite, pour faire court, qui peut s'expliquer aussi par notre absence, hein, quelque part. J'ai une certaine expérience de ce type de dynamique. Je me souviens d'une législature d'opposition, celle du monocolore, où nous étions présents, certes plus nombreux que nous le serons cette fois-ci, et où les positions initiales des uns et des autres étaient peut-être un peu flottantes, et nous avions réussi à construire, disons, un bloc d'opposition significatif et à gagner un certain nombre de batailles. Est-ce que Solidarité va présenter quelqu'un pour le Conseil d'État? Alors nous avons volontairement exclu débat ou la spéculation sur le Conseil d'État jusqu'à aujourd'hui. D'abord, ça aurait été présomptueux. Nous ne sommes pas encore au Grand Conseil, donc ça aurait été prématuré. Et ensuite, l'un des paramètres, y compris avec notre présence, l'un des paramètres de l'élection au Conseil d'État, c'est de savoir comment est composé le Parlement. Nous allons en discuter une fois le bilan tiré des résultats de cette élection au Grand Conseil et prendre une position sur le Conseil d'État dans le courant de la semaine pour Solidarité. On a l'Assemblée mercredi qui se déterminera sur cette question. Merci beaucoup.